Yo tout le monde, si vous êtes bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, grosse vidéo aujourd'hui les gars, j'ai enfin acheté la PS5, j'ai enfin acheté la PlayStation 5 les gars. Et pour être honnête avec vous, pour vous dire la vérité, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai acheté la PlayStation 5, mais je l'ai laissé dans mon coffre de ma voiture. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai laissé dans le coffre de la voiture là. Et puis j'attendais le bon moment pour pouvoir la sortir et surprendre mon petit frère avec la PlayStation 5. D'abord, je comptais la sortir lorsque il recevra son premier bulletin. Donc ça là, s'il a de belles notes et tout, il me montre ses notes et je vois que les notes sont belles. Là, je vais sortir la PS5 et lui montrer que j'achète la PlayStation 5. Il va être comme, what? Wesh, on a la PS5 et tout. Mais là, ça fait un bail que j'attends son bulletin. Là, il n'est pas encore sorti. Et il commence à faire de plus en plus froid. Là, l'hiver approche. Donc là, je pense qu'il est. J'ai pas envie de trop attendre encore. J'ai pas envie que la PlayStation 5 qui est dans le coffre actuellement là, se gâte, se brise, devienne trop froide et puis. Éclate quoi, j'ai pas envie qu'elle se brise parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans le coffre là. Je vais vous la montrer tout à l'heure, je vais aller avec vous là, la chercher. Et ouais, donc je me suis dit que c'est bon là. Ça fait trop longtemps qu'on attend, ça fait trop longtemps que je suis excité de jouer à la Play. À chaque jour que je conduis, je pense toujours à la Play qui est à l'arrière. Je me demande quand est-ce que je vais la jouer, quand est-ce que je vais pouvoir prendre la manette, quand est-ce qu'on va pouvoir enfin jouer à la Play. Là voilà, on y va, je vais pas vous montrer ma plaque là, bien sûr. On l'a ouvert. 3, 2, 1. Les gars, voici la PlayStation 5, putain de merde! Et oui, les gars, 2K25. J'ai acheté le combo avec 2K25. Attendez. Et aussi, ici, on a une manette en plus. Donc, attendez. On va aller à la voiture et puis on va voir tout ça. C'est bon. Ça sent le brûlé. Mais bon, les gars, voilà, j'ai acheté. Bon, j'ai acheté la PlayStation 5. Édition NBA 2K25 parce que vous savez déjà qu'on aime le basket. Et puis, dans le passé sur la chaîne, on a déjà joué à NBA 2K23. On jouait à 2K23, mais dans le titre, je mettais 2K24 parce que 2K23, c'est trop vieux. Mais là, enfin, on est à jour, les gars. On a le 2K récent qui est 2K25. Et c'est pour ça que j'ai pris la boîte qui venait avec directement le jeu. Ça aurait été plus avantageux. Et puis, j'ai pris aussi la PS5 digitale. Regardez. Digitale, c'est celle qui n'a pas de disque, là. Ouais. La digitale, la différence, c'est qu'on peut seulement acheter des jeux à l'intérieur de la Play. On ne peut pas acheter des disques pour pouvoir essayer de jouer avec la Play. Donc, ouais, moi ça me va. J'avais parlé de ça à un de mes potes et il m'a dit, yo, pourquoi t'as pris la digitale? T'aurais dû prendre elle avec le disque, ça aurait été meilleur. T'aurais pu acheter des disques et jouer le jeu avec les disques et tout, blablabla. Et là, je leur ai dit que moi, j'ai une préférence avec les jeux à l'intérieur. Donc là, ça ne me dérange pas de ne pas avoir de disque. Après, là, j'étais comme, oh, ok, c'est bon, ça te dérange pas, c'est chill. Et ils croyaient que j'avais acheté la digital par accident, quoi, tu vois. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Donc, voilà. Il est froid, hein, mon bébé. Hein, t'es resté dans le coffre pendant 3 semaines. Je t'ai même pas touché. Ça va? Et les gars, pour vous expliquer comment j'ai fait pour l'acheter, tout d'abord, je suis allé dans un magasin physique pour pouvoir l'acheter, comme un magasin de jeux vidéo, là, pour pouvoir acheter la PS5. Et puis, arrivé là-bas, le gars m'a montré les PS5 qu'il y avait là-bas. Il y avait la PS5 édition Spider-Man et la PS5 édition normale, comme sans jeu. Et moi, j'étais comme, nah, j'ai pas envie de Spider-Man. Et bah, yo, une PS5 normale, ça coûte grave cher. Et il va falloir acheter des jeux après. Donc là, moi, j'avais la préférence. J'avais envie de prendre elle avec la 2K25, quoi, tu vois, parce qu'elle est sortie il y a quelques mois, là. Je pense 1 ou 2, 3 mois, je sais pas. Et après, là, le gars m'a conseillé d'aller en ligne, de l'acheter en ligne. Et donc, je suis allé en ligne. J'ai acheté la PS5. Elle est venue dans un magasin. Je suis allé la chercher en physique. Et c'est ça. Après, je l'ai pris et je l'ai laissé dans la voiture pendant tout ce temps. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est le jour, là. Le jour est venu, là, parce que là, j'en ai marre d'attendre. Et puis, à côté, les gars, j'ai acheté aussi une manette pour jouer, parce qu'à l'intérieur de la PS5, il y a une manette, et Bijou et moi, on est deux. Donc là, si on veut pouvoir jouer à deux à des jeux, il faut deux manettes. Donc là, j'ai acheté une deuxième manette. Par contre, la manette, là, je ne l'ai pas achetée en magasin, parce qu'en magasin, ça coûte grave cher. Ça coûte 100 et quelques, plus taxes, 150 et quelques, frère, pour une manette. Non, je n'étais pas chaud pour ça. Donc là, je suis allé en ligne. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui la vendait et me l'a vendue. Et en plus, la manette, elle est complètement neuve, les gars. Le gars, il a acheté un peu par accident, on va dire, parce qu'il est allé dans un grand magasin. Il a acheté 3 manettes et puis la 4e venait tout seul. Donc là, il s'est dit qu'il n'en avait pas besoin vraiment. C'est un gros gamer et puis il a juste voulu la vendre. Donc là, il me l'a vendue. Pas cher, mais quand même cher, mais moins cher que si je l'avais acheté en magasin. Elle est complètement neuve, les gars. Il m'a même montré le reçu. Donc là, je le croyais. Le gars, il avait l'air réglo, chill. Normal, regardez la manette, elle est complètement neuve. Pas utilisée, aucune trace, aucune égratignure, rien. De base, je suis censé aller acheter de la nourriture. Donc, je vais aller en prendre maintenant. On va entrer à la maison, on va manger, on va discuter avec Bijou et puis à la. Puis vers la fin, je vais le surprendre avec la PS5 et on va voir sa réaction. Les gars, on a fini. J'ai la nourriture.
Bon, les gars, je suis à la maison. Je joue à son plat. Quoi? Et ce qu'on mange, les gars, c'est de la nourriture. Ah, c'est la nourriture haïtienne? Ouais. Ouais. Okay, c'est un restaurant ici. C'est un restaurant haïtien, en tout cas. Mais j'aimerais préciser qu'au niveau. Parce qu'il y en avait qui disaient, yo, manger de la nourriture haïtienne et tout, là. Ça, ça compte pas. Selon moi, ça compte pas parce que c'est du riz. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Mais c'est trop lambda. C'est ça, c'est trop lambda. C'est juste du riz haïtien comme. C'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est bon, mais la vidéo nourriture haïtienne là, ça va être plus de bouffe que ça. Parce que tout ce qu'on. Est-ce que tu as déjà mangé d'autres bouffes haïtiennes ou non? Juste ça, selon toi. Ouais. Moi, c'est juste ça aussi. Donc, ça compte pas. Selon moi, ça compte pas. Parce que tout le monde en mange. J'ai même des amis indiens qui mangent ça. Ouais, j'ai un ami indien qui mange ça. Il connaît ça, il mange ça. Donc, pour moi, ça compte pas. Pour les haïtiens, nourriture haïtienne, ça arrive. On va manger de la vraie nourriture haïtienne, là, comme pas juste du riz ou bien quelque chose comme ça. Là, on va pouvoir découvrir comme plus de bouffe. C'est quoi le programme aujourd'hui? Comme, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Ah, jouer à la play, non? Mise à jour de... Et lui tirer. Non. Toute la journée, tu vas juste t'étirer et jouer à la play, c'est ça? J'ai tellement envie qu'on joue. Quand? Ah, c'est de la play, c'est? Yo. Ça fait combien de temps que je pense à acheter la PS5? Dis. 3 mois. 2 mois. Je suis arrangé. 2 mois. Ouais, c'est ça. Yo. Les gars, actuellement, c'est chaud là. Mais sinon, je vais l'acheter soon. Soon. En plus, on fait des vidéos Fortnite des fois, non? Et il y en a qui aiment ça. Et ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vidéos Fortnite. Pourquoi? C'est parce que notre play. La dernière fois qu'on a fait une vidéo Fortnite, les commentaires, ils étaient en train de me descendre, frère. Il est temps d'investir dans la PS5, s'il te plaît, Junior. Vous avez un avion chez vous ou quoi? Quoi d'autre? Ça appelle ça avion? Ouais, avion, ouais. Il y a un ventilateur chez vous qui est allumé. Il me descendait parce que notre Play, la PS4, on a ça fait combien de temps? Depuis 2017. Depuis 7 ans, c'est ça. Donc, je pense que vers Noël, ou je sais pas, je sais même pas quand, mais il sera temps d'investir dans ça. En plus, là, on pourrait jouer moi 1v1. Je vais vous montrer que je suis plus fort que lui. À part si ça, c'est une autre PS4. Yeah. Ah. On a bien mangé, mais moi, j'ai fini mon plat, moi, personnellement. Mais Bijou, lui, n'a pas fini parce qu'il avait... J'ai pas compris, il a dit que ça l'a trop rempli vite. Donc, bref, j'ai trouvé un prétexte pour sortir dehors. Je suis allé jeter la poubelle. Donc, je vais la jeter là tout de suite. Et puis, j'ai dit à Bijou de m'attendre parce qu'on va faire une autre vidéo tout à l'heure. Et il ne sait pas du tout quelle vidéo qu'on va faire. Mais vous savez très bien que ça va être la PS5. Donc là, je vais aller dans le coffre de la voiture maintenant, prendre la PS5 et monter. Et j'espère qu'il ne sera pas devant la porte, parce que s'il est devant la porte à m'attendre, il va me voir rentrer avec la PlayStation. Mais j'ai déjà un plan. On y va, les gars, on se retrouve à l'intérieur. Et là, les prochaines minutes comptent. Est-ce que je vais réussir à rentrer dans la maison sans qu'il me voit avec la Play? Ça reste à voir. Ok, on commence, Bijou. Vas-y, on commence. Les gars, j'avais déjà commencé, puis la caméra a crash, bizarrement. Déjà, montre, t'as combien? C'est quoi ta note en français? Ma moyenne? Ouais. C'est pourquoi même? Hein? C'est pourquoi? On doit faire d'abord une comparaison, et après ça, maintenant, j'ai besoin de ton téléphone. Non, je vais pas donner mon téléphone tant que je sais pas c'est pourquoi. T'as pas confiance en moi? Pas confiance. T'as pas confiance en moi, les gars, il a pas confiance en moi. Alors qu'on va faire une. Non, la vidéo, au fait. C'est pas qu'elle est aléatoire, mais c'est juste que tu dois me donner ton téléphone. 88. T'as 88 en français? Et en France, eux, c'est comment là? J'ai 17 de moyenne. 17,6. Il a 17,6 de moyenne. Ok. En français. Pas mal. Moi, à ton âge, j'avais genre 18. Mais bon, vas-y. Mathématiques. 18 de moyenne. Ok. T'as monté note. Ok, attends. Mais attends, le bail est un peu aléatoire. Maintenant. Monté note. Quoi? Va te passer mon téléphone. Non, tu dois me passer ton téléphone, bro. Non. Pourquoi? Tu crois que je vais faire quoi? Et tu dois l'allumer aussi? Non. Les gars, il n'a pas confiance en moi. Oui, t'as pas confiance en moi, frère. Dis d'abord. Juste passe. Non. Fais-le avec ton téléphone. J'ai besoin de ton téléphone pour faire ça. Tu vas aller où? Va dans les trucs de notes là. Reste là. Et juste laisse-moi utiliser. Non. Vas-y, utilise-le. Non. Il n'a pas confiance. T'as pas confiance en moi. Non, tu vas le regretter. Je te dis, tu vas le regretter, frère. T'as pas confiance en moi. Donne-moi ton fucking téléphone. Je dois fermer tes yeux alors. Mais laisse ton téléphone là. On est d'accord? Tu laisses ton téléphone là. Ok. Ouais, laisse-le là. Vas-y. Ok. Mais je dois fermer tes yeux alors. Vas-y. Non. Tu dois pas mettre en bas de toi comme ça. Mais c'est parce que tu vas le prendre. Pourquoi t'as pas confiance en moi comme ça? T'es comme ça, Bijou. Mais tu vas le prendre. Ok, bref, vas-y. 15 secondes. Pour des vraies secondes. Et ferme vraiment tes yeux, je les veux. 13, 12, 11,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo! Attends. C'est une fake personne qui c'est sûr. Quoi? C'est une fake personne, attends. Non, c'est une fake personne, assieds-toi d'abord. Ah, mais qui veut dire qu'en plus? What? Tu mens! Hein? Tu mens! Laisse-moi l'apaiser! Quoi? Donc moi je l'apaiser? Ouais? Quoi? Mon nigga, you t'es un scammer, impossible d'avoir de l'argent encore! Prends! Il dit que je suis un scammer, what the fuck? Non, tu es... Ouais. No way! Non! Tu scams, je sais pas comment tu fais, mais tu scams, Julien! Comment t'as acheté? Dis-moi comment t'as acheté! Genre, comment t'as acheté la PS5? Mais j'ai acheté avec de l'argent, what the fuck? C'est pas ton souci, j'ai acheté la PS5, c'est tout. Et yo, prends-la. Écoute le son, comme. Prends-la, écoute le son. Comme, écoute le son. T'entends? Elle est dedans, non? Ouais. Aïe, dis-moi comment t'as fait? Pour dire, je l'ai, ça fait... Ouais, il y a déjà tout qui est 25 à l'intérieur. Ça fait 3 semaines que je l'ai, en passant. C'est pas récent, ouais. Je l'ai depuis 3 semaines. Dans le coffre de la voiture. Il était là depuis longtemps. Oh, c'est pour ça que yeah. Tu voulais pas que j'aille ouvrir le coffre. Ouais, et ton ami, lui, il l'a vu. C'est le seul qu'il connaît. Oh. Lui, il l'a vu. Après, c'est comme. Après, c'est comme. Ok, t'inquiète. Il l'a vu. Oh, parce que hier, les gars, il avait un match de basket. Puis là, son pote voulait mettre. Son pote voulait mettre des choses dans le coffre. Et là, je lui ai dit que je vais aller le mettre. J'ai dit non, laisse, reste dans la voiture. Et là, je suis allé avec son pote. Là, j'ai ouvert le coffre. Et là, il a vu. Il était comme ça. Il a menacé comme. Après, c'est comme. T'inquiète. On a vraiment la PS5 au bout. Ouais. Et si t'as remarqué, à des moments, je parlais de PS5, hein? Oui! Dis le moment. Quand je donne, des fois, je donne des signes. Tout à l'heure, t'as dit. J'ai hâte de jouer duo. J'ai hâte de faire one Fortnite. Pour toi. Oh, qu'on fait one live! Ah. Je vais te prendre! Moi, je mets la PS4 ici. Ouais. Et là, la PS5, on la met dans la chambre. Je et puis, t'es, on peut t'es jouer. Fini! On va voir la PS5 avec tout qui veut. Laisse-moi prendre une photo. Allez, et tu l'as acheté où même? D'abord, je suis allé en magasin, GameStop. Donc, et... tout est intelligent. Hier, tu me fais croire que t'as pas encore acheté la PS5. Non, toi t'es fort. Quoi? Hier, je fais quoi? Hier, quand on était allé à Walmart, après t'as dit non, yo, le prix est trop cher. Et les manettes sont trop chères. Ouais, ouais. Mais ouais. On a juste une manette. Regarde ça. T'as acheté des manettes aussi. Tu scams. Je sais pas ce que tu fais, mais. Comment? Quoi? T'as acheté une PS5. Par contre, celle-là, je l'ai pas achetée. Je l'ai rangée, Jazzy. Je l'ai pas acheté en. Brand new. J'ai acheté. Déjà utilisé, mais elle n'a même pas été utilisée. Le gars, c'était sur Marketplace, il vient de l'acheter. Donc, ça a coûté à peu près le même prix que celui que j'ai acheté en magasin, mais sans taxe. Oh, sans taxe. Ouais. Le gars, il a acheté à. Comment on appelle ça? Costco. Okay? Costco. Et là, Costco, il a acheté 3 manettes en bail comme ça, il a dit, il avait une gratuite. Il n'a pas besoin d'une manette de plus. Donc là, il voulait de l'argent de plus. Il m'a montré le reçu. J'ai vu le reçu. Il est allé à Costco la veille. Ouais. Montré, c'était il y a quelques jours que j'allais. C'était ouais, yo, j'ai vu le reçu, c'était un reçu, il était long comme ça, c'était $800 qu'il a déposé là-bas. Et là, maintenant, il m'a montré ça, il a dit, j'ai pas besoin de ça, j'ai déjà 3 manettes, une noire, une bleue, une rouge, et j'ai pas besoin de... Et ça, malheureusement, la couleur de cette manette-là, c'est la même couleur que la manette, la couleur de la manette originale. Mais moi, je voulais une autre couleur. On a le chargeur? Ah ouais, il y a le chargeur. Je sais pas, ouais. Il a dit, c'est venu comme ça, sans chargeur, c'est juste comme ça, venu dans un sachet comme ça. Ça m'a dérangé un peu de base. J'étais comme, oh, il y aura 2 manettes, même couleur, on pourra pas se différencier. Parce que moi, j'aurais aimé avoir la rouge, la bleue, et tout comme ça. Moi, j'ai dit, c'est pas grave. Et je l'ai pris. Ça se trouve, je vais juste acheter une autre manette là. Rouge, après, on aura 3 manettes comme ça. Ça pourrait être cool. Allez, ça a coûté combien? Hein? Elle s'est allumée? Elle s'est allumée? Ben, ça, y a pas de. Oh, ok. Y a pas de connexion encore. Ok, okay. Mais ça me coûte tout. Ça t'a coûté combien? Bah, ça, je suis allé en magasin. GameStop. Ouais. Et là, maintenant, je suis allé avec un gars là. Un gars là m'a montré un peu les bails là-bas et tout. Et il y avait seulement la PS5 édition Spider-Man et PS5 édition normale. Et là, maintenant, moi, je sais comme. C'est pas celle avec la Touquet 25 parce que genre, c'est avantageux pour moi. Ouais. Là, il a dit non, ils n'ont pas magasin. Mais je peux la commander en ligne. Donc là, maintenant, je suis allé en ligne, je l'ai commandé. Sur là, Amazon? Non, sur, comment on appelle ça, Best Buy. Oh. Et là, je suis allé chercher en magasin. Je suis allé la chercher en personne et là, maintenant, je l'ai mis. Ça t'a coûté combien? Ça, j'ai pas envie de le dire. Plus de 700? Ça et la manette, ça? Non, juste ça. Ça, plus de 700. Je pense qu'on touche là, ouais. Mais le truc, c'est que c'est ma PS5, en fait. T'as quoi? C'est ma PS5, il me fait un bisou. Yeah. C'est ma PS5. Relax. Bon, la PS4 est à toi maintenant, frère.